Ferme de famille Get. Ah, il faut réparer notre camion, merde. On peut le réparer? Genre d'ici. On peut pas le réparer d'ici, hein. Non. Bon, on le réparera en combat. Si jamais on peut l'utiliser, quoi. C'est parti. Ça va, c'est pas loin et tout. C'est fun, parce qu'on... Moi, c'est ça que j'aime bien dans... Dans Westland, mais ça dure des heures et des heures, en fait, ce jeu. Vous faites une mission... C'est... Ouais, c'est comme Fallout, hein. Vous partez pour un truc, vous sortez avec 50 missions dans le... à faire, quoi. Plus dense que l'eau. Je vais faire une sauvegarde, d'abord. On va se mettre là. You made it. Any luck, Rangers? Can't thank you enough for looking out for my family. Ça marche. Ok, on a des chiens. C'est quoi des chiens J'en sais rien. Après, je crois qu'on peut faire tirer tout le monde, hein. Je vais tester un truc. Attends, je peux faire... Ah merde, faut les mettre à côté du coup. Je peux faire ça. Non. Bon, elle a fait un critique, c'est sympa, mais on aurait pu le tuer. Non, on peut pas faire tirer plusieurs personnes en même temps. 66%. Ah, elle l'a pas tué, putain! Je sais pas si ça marche sur les bêtes. Un sac de puce. Ouais non, ça les insultes en fait elles vont avec avec ce qu'on combat quoi. Merde, j'étais sur la mauvaise personne. Je veux que ça soit elle qui tank en fait. Ça. Ah mais il balance des trucs. Tiens, il nous aide machin. On
par contre, ouais, le lance-flamme, ça serait cool, hein, mais... Bah, au final, ça va. Les pourcentages sont pourris de chez pourri. Je suis en train de me dire, c'est quoi le... Est-ce qu'il nous prend de l'expérience? Est-ce que... Le doyen, là, genre, est-ce qu'il nous vole quelque chose? J'ai pas l'impression, hein. Sans déconner. Ouais, mais on avait dit que antidote c'était rare. Par contre, c'est les munitions, on est tous bons. On avait dit que les antidotes c'était rare, par contre, créer des. Merde, pas le chien. Créer des trousses de soins c'était facile. T'as le chien qui fait empoisonnement, c'est pas mal, mais je veux voir ce que... C'est le lapin, je crois qu'on en a pas. À chaque fois, il s'en va, en fait, le lapin. Initiative, 10%, c'est pas mal, ça. Non, merde. K7 et du lapin. Il met sur ses pattes arrière et Queen de plaisir.
grenade, très bien. C'est pas mal hein, ça. Initiative 10%. Faudrait peut-être soigner Thunder. Chèvre des montagnes. Photo Polaroid. C'est quoi ce bruit hein? Le chien qui fait ce bruit? Niveau 5. Ah! D'accord. Ah, ça m'embête. Ah, il faut un point, quoi. Est-ce qu'elle va monter de niveau? Je crois pas, hein. Si on combat. Ah, on peut combattre et voir après. Crochetage niveau 5. Par contre, ça, on peut. Du coup, tu vas prendre ton lapin, on va le renvoyer. Donc, du coup, il sera au QG. Et tu peux pas le faire. Merde. Ah bah là, du coup, j'ai merdé, là. Ok, on peut le reprendre. Ah ouais, on peut les reprendre, en fait, mais il faut utiliser l'habilité. Ah, mais ça tue, en fait. D'accord, donc... Bon, Billie Jean, c'est les meilleurs. Ça, on a compris. Par contre, je veux la chèvre. Ram Jam. Dégâts critiques 0,20. Chèvre des montagnes. Et Billie Jean. Tu peux prendre Billie Jean, toi, du coup? Parce que honnêtement, les deux seraient top. Oh, est-ce que Billie Jean, c'est niveau 1, je crois. Très bien. Par contre, le seul problème, je crois que elle, si je dis pas de conneries, elle a pas... Ah si! Si si, elle a ça. Non, donc ça va. Donc ça va. Ce qu'il nous faudrait après, à la limite, c'est un meilleur bonus, mais on peut garder autre chose. Non, ça va, c'est cool. Moi, j'attends d'avoir ça. On peut avoir crochetage supplémentaire. On va attendre. Parce que toi, t'es mécanique aussi, on est d'accord? Ouais. On va attendre crochetage supplémentaire. Voilà. Compétences. Ouais, on va attendre. Et avantage. On a un point. On va pas te... on va rien te mettre pour le moment. Ah, ok. Ça, je vais attendre. On va d'abord faire les combats et tout ça. Je crois qu'elle est un peu trop loin en fait. Non, en fait, non, ils ont une bonne esquive, j'ai l'impression, c'est ça? Non, c'est juste qu'ils ont une bonne esquive, c'est con.
Aïe aïe aïe. Ah merde, mais t'es bloqué en fait. On va mettre Sentinelle là. Je l'avais pas mis à accroupi. Qu'est-ce qu'on fait? On se met là et on fait bouclier aussi. Du coup, personne peut passer. Des montagnes, tu me fais chier. Entravés, ils ont énormément de vie, c'est con. Fait chier. Et j'ai peur qu'elle tire sur les gens. Ok, bien joué. Moins bien joué. Ah mais attends. Ouais, mais je peux faire ça aussi avec Fury, putain je suis con. Ouais, non, on va pas tirer. Aïe 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 aïe.
Ça me fait chier la chèvre des montagnes en fait. Ça fait grave chier. J'aurais dû me faire une ligne, tout simplement. Pas quoi faire là. Ouais voilà quoi. Ok, raté. Ah ok, maintenant ils font que du mêlée. Par contre ils peuvent se mettre à deux sur la même case. C'est marrant ça. Aou. Sale con. En train de demander si on devrait pas commencer à soigner. Pour l'instant, je pense que ça va. On va les tuer tout simplement. Oh là là. En plus tu fais même pas de critique quoi. On est pas mal en fait de faire une... Une défense là comme ça, c'est marrant. J'aime bien ce que le truc des le bélier là, il peut aussi faire. Il peut aussi faire piétinement, je crois que ça. Ou ça enlève des PA, c'est top. Déconner quoi. Oh, thank God that's over. These combats are killing me. Très bien.
Il a augmenté. Lui, on va continuer à augmenter sa... sa coordination jusqu'au masque. Lui, faut qu'il bouge. Donc, commandement. Ou alors, on passe à arme automatique. 3, 4, 5. 6, pardon. Je crois qu'on avait besoin de 6 pour les armes. Je vais voir les avantages. Alors, téméraire. Quand vous êtes à découvert, vous gagnez 15% de dégâts avec le pistolet mitrailleur. Ça, ça peut être pas mal, ça. Exterminer un ennemi, deux fois plus de balles, pistolet mitrailleur que vous attaquez. Ouais, non, ça, on s'en fout. Je sais pas si on prend la constitution et l'armure. Je sais pas si ça va être utile. Voilà. Oh crap! Oh crap! Ah, vous me faites chier. Thank God you were here. Que bon, on sait jamais. Je vais en... J'en soigne un peu quand même, on sait jamais, parce que si jamais il nous tombe genre en surprise, s'il nous tombe dessus par surprise et qu'on est en plein combat, laisse tomber quoi, on va crever. Donc je vais attendre un peu si on fait commandant ou arme automatique. Je crois que c'était arme automatique les nouvelles armes. Il fallait niveau 6, pardon, c'est ça que je veux dire. Après l'avantage, moi j'hésite entre l'armure et la vie, mais sinon qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Pendant 2 tours après avoir animé, immobilisé ou gagné 50 points de dégâts, ouais bof. Il y a ça qui est téméraire, ça peut être intéressant, mais bon, je suis pas sûr. Vous attaquez une cible deux fois de suite avec un fusil d'assaut, le deuxième attaque est toujours un coup critique. Si vous déplacez à plus de 5 espaces au prochain attaque fusil d'assaut et pistolet mitrailleur, ça coûte aucun PA, ça c'est pas mal. Tenez une arme automatique donne 3 PA. Après, il y a le premier soin, quand un ennemi est immobilisé au combat, vous gagnez 1 de vitesse de combat pendant 2 tours. Ouais, on va plus loin, on va sauver en fait, 911, c'est marrant. Moi je dirais ça, enfin pour l'instant on va rien prendre, parce que je sais pas encore. Ah, fusil de précision, on peut l'augmenter, on peut le mettre à 5, mais je crois que c'était 6 qu'il fallait. On verra. Ça aussi, c'est qui a monté de niveau au final? Personne? Ah si, elle, crochetage on peut. Oui, en fait non, il n'y a pas grand chose quoi, il n'y a que lui. Pardon. Il n'y a que lui. Désamorçage explosif. Thunder, elle a pas monté. Non. Je pense qu'on va faire péter le truc. Je vais voir si on fait péter le... Ah oui, il me faut des balles aussi. On crave des balles. Chance inouïe. Tout ça pour ça. Même butin, nul. Ah, j'avais pas vu le crochetage ici. Que j'ai au sang. Sending that ransom note was the dumbest idea Corby ever had. Nothing to do for weeks but stare at the wall. Yep. C'est quoi ça? Je vais faire le corps est habillé de celui d'un bandit des plaines devait faire partie des ravisseurs. Examiner le cadavre. Il y aurait tant d'autres vis autour que cher, contrairement aux autres. En main gauche, les cadavres sont intacts. Ok, c'est bizarre. Ah, du coup, ça a coupé la radio, désolé. Spitfire. Un melon de niveau 5 par contre.
je crois que c'est une arme unique par contre. Alors qu'est-ce que ça fait exactement? Alors plus qu'un lance-flamme, c'est un fusil à flamme. Il utilise des paraisons individuelles de flammes pour faire fondre les ennemis. Arme lourde. 9-12. Pourquoi il serait bien en fait? Ah d'accord, non c'est un fusil à flamme, je comprends. C'est x4. Ça tire quoi? Des jets de flamme en fait, c'est pas un cône? Ah, attends, un truc qu'on peut faire, si je dis pas de bêtises, qu'on peut tester, ce serait ça. Non mais j'ai rien sur quoi tirer en fait. Ah. Intéressant, ça nous ferait une sorte de fusil qui tire des flammes, c'est ça. Du coup, on n'a pas besoin d'être côte à proche en fait. Ça pourrait être intéressant. Le problème c'est que si on met 5 là, ouais on pourra pas... Bon le reste après on est quand même assez élevé. Moi je voudrais bien finir en fait la modification d'armes. Ouais, moi je voudrais bien finir la modification d'armes en fait. On verra. Pour l'instant, de toute façon, on n'en a pas besoin pour le moment. Alors, par contre, les munitions. Donc, il me faut du sniper. Et de l'arme lourde. La ferraille, on commence à un peu en manquer. Comme j'ai dit, ça va faire un petit moment qu'on a rien désossé. On a tout ça à désosser, toutes les armes, là. Les trucs qu'on a en double, les pistolets, tout machin. Mais comme j'ai dit, je veux monter vraiment l'arme au maximum, le démontage d'armes. Comme ça, on va pouvoir récupérer un max de ferraille. Donc ça va être cool. Oh. I think we got a live one here. Ouais, mais bon. Who are you? You're not my family. You go away now. I'm sorting through dreams for my brother. Unless you have some more candies? Talon, abrégez vos souffrances, c'est trop douloureux à regarder. Des bonbons? Yeah, candies. They're the best part. These. Quoi, les yeux? Si vous tend les mains ensanglantées et remue les doigts. Ah, les doigts. Do you want some of these? They're my very last ones. The gummies say it's okay to chew on them. It's respectful. And they taste so sweet. Nita, vous avez quelques doigts à moitié dévorés. Vous devrez goûter ça. Non, merci. Oh well, it's okay. Ah. More candies for Nita. Salut. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Bad men came from the flatlands. Mummy and daddy left. Then the doggies came for the candy and mummy and daddy and the bad men are gone, but there's lots of candy.
this poor girl. Oh man, I. Pouvez-vous venir avec nous? No, mommy said never trust a stranger. Daddy said never take candy from a stranger, but that isn't fair. I want candy. If you bring me some candies, then I will be your friend. There were some candies in the other house, but they're scary doggies. Okay. I know. You go get the candies, and I'll stay here. Bye-bye! D'accord. On peut prendre ça? Ne touche pas. Clé de la ferme. Recette de fabrication. Une liaison rasoir. C'est quoi ça? Clé de la ferme. Sûrement la porte qu'on a... On a ouvert. Ah, ok. Mode ajoute un éclat d'obus. À chaque tir est garanti que la cible souffre une forte hémorragie en plus de tout autre dégât subi. 25% de chance d'appliquer hémorragie. Requiert un fusil d'assaut, pistolet. Ok, quasiment surtout quoi. Dégâts plus 8. 375 de ferraille. Ouais, c'est chaud. Donc tu veux qu'on récupère ça? Prends les doigts pour Nita. Eh, viens la folle. Hey, it's you again. Offrir les doigts à Nita. Nous avons d'autres bons pour vous, Nita. Vous venez avec nous. Oh, gross! What are you doing? Chut! On ramène l'autre à son frère, ou je sais pas quoi. Those are my favorite flavor! How did you know? Bubblegum and lemonberry surprise! Yay! I get to go on a trip! But is it okay if we brought some of my other friends? That one's Spot, and this one's Jill. And they're kind of shy, and they don't like the dark, and I don't want to be alone. Okay. Escorter Nitra après rendre du guette, ça marche. Allez, viens. Doucement, hein. Je crois que le mec nous a pas tout dit quand même. Nia? Nia, is that you? Oui, la voilà, elle est pas trop amochée. Pas trop amochée. I don't know how to thank you, Rangers. My little sister, safe and sound and all in one piece, but... Wait. What about everyone else? Ouais, bah... Ouais, elle les a bouffés, quoi. Ils n'ont pas survécu. Oh, hell. I was afraid you were gonna say that. But at least you saved Nita. I am grateful for that. Come on, sis. You're safe now. You're okay. Let's get you somewhere warm, yeah? Thank you again, Rangers. Once I get her settled in, I'll come over to your base. Don't know if you still need a mechanic, but, well, it's the least I can do. Mm-hmm. I can't believe you brought Nita back to me, Rangers. Randy? Hey, say thanks, Nita. My brother's dreams are sorted. Got any candy? I'm sure she meant thanks. See you at base, Rangers. J'ai l'impression qu'il était plus ou moins au courant. Honnêtement. Parce que je pense pas qu'il va la bouffer, hein. Enfin, qu'elle va le bouffer, pardon. J'ai plus l'impression qu'il était au courant de ce qui se passait. Ils sont bizarres, les gens. Et maintenant, je suis curieux de rentrer. Oui, vodka. Smirnoff aussi, j'aime bien Smirnoff. On va rentrer au QG, on va aller voir ce qui se passe. Puis il faut réparer le véhicule aussi.
C'est bizarre, je suis sûr qu'on est rentré au QG entre temps. Pourquoi le camion il s'est pas réparé? QG des Rangers. On a tellement d'autres, plein d'autres choses à faire aussi. Faut retourner tuer les clones. Pff, tellement de choses à faire. Bon, les clones, ça devrait plus être un problème maintenant. Ah cool. Ah bah tiens, il est là. Ouais mais attends, on est une cannibale du coup? Dans le QG? Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais perdu elle aussi. J'ai pensé à comment je pouvais montrer mes thanks et j'ai réalisé que je travaille avec les cars day in and out. Et vous tous les prenez dans la bataille. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur comment fixer les cars et comment les briser. Allez, laissez-moi vous montrer. Merci à André, vous devoir l'avoir. J'espère que pas tout ce que vous avez pour moi. Merci. Happy to be here. I'll be ready to go as soon as you get this place fully staffed. See you around. Ça va toi? I remember the bazaar. So many candies there. So many. Ah, ok. Je sais pas quoi dire. Ça va bien se passer. Par contre, on a appris un truc apparemment, je sais pas ce que c'est. C'est quoi? C'est une habilité avec le camion, j'imagine? Ouais, je pense que c'est une habilité avec le camion qu'on a appris. Ça va toi? Ouais, je sais pas rouler les airs. Arrête. Ah, fais pas genre. What do you need, Rangers? That's what you have a seat. Ah, très bien. I won't. I never do. Have you thought of a long-term solution for the refugee? It's fine. Can't complain. Happy to. Take a look. Ok, je regarde juste s'il a des nouvelles choses. Du coup, est-ce que l'autre, elle a pris des niveaux aussi? Je sais pas comment ça marche. Je crois que normalement, ils prennent tous des niveaux en même temps. Je suis pas complètement sûr, en fait. Nice place they got ah, here. Mazatou. I think somebody picked... I have been teaching the refugees some basic cooking techniques. Cool. Maybe some of them can start helping in the kitchen. J'ai entendu des rumeurs dans la cantine. There are a lot of people saying good things about the Rangers, but especially about November. Whatever you're doing, keep doing it. Okay, cool. Qu'est-ce que vous cuisinez? Only the best ingredients for my Rangers. Ok, donc maintenant il y a de la bouffe. Ah, tiens, il y a même des furets congelés. Ah, c'est cool, on pourrait tous les bouffer. Du boudin, c'est bon ça. Un PA 90 tours, on a de la drogue, parce que pourquoi pas. Cool. Ah, Lucia, elle est là. Hello again, Rangers. Ça va? I train, clean my guns, talk to the others and try to learn more about the world beyond Broadmoor Heights. I have plenty to do with my time. Okay, cool. There is still injustice in the world, isn't there? Let's go. Niveau 10. Niveau 12. Est-ce qu'on devrait la prendre ou pas? Moi j'en sais rien si on devrait la prendre. C'est qui ça? T'es qui toi? Rangers, what are you doing here? I heard you was off in Colorado or somewhere. Welcome back. This calls for a drink. Cheers. Il vient d'où ce mec? Oh, good stuff. Is that you, Rangers? Why, I ain't seen you in a donkey's age. This calls for a drink. Cheers. Je crois qu'il est bloqué en boucle. Reasons? What kind of a place is this? Ok. Premier soin, c'est 13e, mais vous montrez les symptômes du maladie du foie avancé.
I ain't had a liver for years. Okay. On est carré dans quoi? Où êtes-vous ici, vous savez? Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous et que faites-vous dans notre bar? Come on, Rangers! You know me, it's Scotchmo, your pal! Well, I fought Coach Chase with you! I helped you beat all them damn robots! Mm-hmm. Faites erreur, parce que moi, ça c'était la team Echo. Nous, on est la team November. Ah! Non, je me rappelle pas, honnêtement. You can't fool me with that stuff. I know who you are. Ok. On n'est pas au cas. On revient pas du Colorado, on est dans le Colorado. You're drunk. If we was in Colorado, there'd be snow all over the place and you'd all be wearing parkas. You gotta cut back on the squeezings. Mm-hmm. What do you mean, how did I get here? I've been here the whole time. How did you get here? You got a screw loose. Vous ne pouvez pas rester, nous avons besoin de demander des doigts envers d'ailleurs. Ouais, reste. Well, don't mind if I do. Cheers! But I ain't here to drink, nuh-uh. I'm here to sign up. I want to be a ranger again, just like before. I know you rangers been going through hard times, so... I'm doing my patriotic duty and offering my services as a tired and true veteran. What do you say? Mm-hmm. Je suis honoré de compter parmi nous, bienvenue dans l'équipe. Hot diggity! Give me a gun and point me at the bad guys! Ouais, à la limite, on peut le balancer. Oh mon dieu, le mec. Ready! Lead on, Rangers! On peut le balancer en première ligne. Fais voir, Scotchmo. C'est n'importe quoi. Donc il a un fusil à canon scié, fusil à pompe de clochard, 32-47. Un fusil à pompe. Stylé. Ah, c'est une bouteille. En plein milieu. Marrant ça. Tiens, il a un snake cuisine à boire, il fait 25% de dégâts de mêlée. Ouais, mais bon, lui il est pas de mêlée. Si. Ah si, apparemment. Arme blanche de niveau 9. Alors, arme de poing. Ah ouais, quand même. Crochetage. Ordure sournoise et mêlée. Fais chier. Le mec, c'est un crochetage. Donc ça veut dire que l'autre, on l'a augmenté. Ça servait à rien. Et ouais, ça se traduit comme ça. Ça se traduit du fait que bah, ça sert à ce que ordure sournoise, on a déjà. Mêlée et arme de poing, on s'en fout un peu. Crochetage, on a déjà. Ah merde. Ah, c'est trop tard de toute façon. C'est trop tard. Est-ce que lui il est déjà à 4? On aurait pu se mettre à 7. L'autre elle est déjà à 8, je crois. On pourrait lui mettre autre chose, mais pour le moment on va rien lui mettre. On pourrait lui mettre réparation des grippins par exemple. J'ai envie de dire. La première attaque après le rechargement d'une arme recharge, déchargée ne coûte aucun PA. Tir déchiqueteur.
Après, on peut lui augmenter l'intelligence pour avoir plus de points. Là, on a combien? On en a 9. Là, on a 12 du coup. Ouais, là, du coup, on aurait pu mettre ça à 8. Ah putain, qu'est-ce que ça m'énerve! Qu'est-ce que ça m'énerve? Ouais, on a 2 personnes avec du crochetage. Complètement raté là. Complètement raté. Don't tell the patriarch I said this, but his son Victory seems like a first class psycho. Mais il a toujours une bouteille à la main en fait. D'accord. It's fine. We're fine. Everything's fine, I guess. Not really inspiring anybody, but that's not really our job, is it? Well, I'm pretty sure we'll get there. You bet. Ready when you are. Ah, ça me dégoûte d'une force. Après, elle avait rien d'intéressant, elle. La mécanique, on a déjà mieux. Charmeur d'animal, on a déjà mieux. Premier soin, on a déjà mieux. Donc à la limite, on perd rien, j'ai envie de dire. Hein. Ah, ok, alors c'est quoi? Génie mécanique, alors. Dégâts bonus en, à véhicule, plus 5%. Génie mécanique Randy Gate vous a donné quelques idées quant à la meilleure façon d'éliminer les véhicules adverses. Ok, ok, cool. C'est pas la fin du monde. On va dire, c'est pas la fin du monde. C'est pas le plus fun, mais ah, par contre. Attends, toi t'as qui là? Chevreau des montagnes. Help you with something? Careful out there. It's an uncaring world. Ça me dégoûte un peu quand même. Ça me dégoûte, bah ouais, parce qu'il faut faire attention à ça, sinon on passe notre temps à refaire les persos, ça va coûter extrêmement cher. Genre déjà le prochain c'est 1000 et quelques. What can I do for you? Ça c'est des choses que... Si on avait mieux fait en fait dès le perso, dès le début, mais bon, comme je dis, c'est la première fois que je jouais au jeu, bah on aurait pu éviter en fait de payer. Farron Brigo, vice vendor, dishonorable degenerate, cartel commander. I know it is a bit much to hope that, at his age, he turned from his old habits and become useful to our community, but that's not a good enough reason to execute him. My hope? That holdouts from his organization see how well he's being treated, and start thinking about good luck out there. Alors lui, qu'est-ce qu'on fait du coup avec lui? Oh, hey. What can I do for you? Tuer le prisonnier. Non. Later, dudes, and don't forget to think about getting this door open. Ouais, 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 on verra. On verra ça. Si on est d'accord, c'est toujours 1000 et quelques. Don't know why you let that sit. Now. Sure thing. Let's have a look. Ouais. There you go. Anything else? I'll be here. Examiner le système de sécurité. Tout est normal pour le moment. Enquêter sur le comportement problématique des serviteurs. Accéder à un menu caché, le processeur central est encombré de milliers de requêtes en attente vieille d'un siècle.
Écrire un script pour effacer les requêtes. Ouais. Tester vos codes avant d'exécuter, puis observer la requête obsolète disparaît. Le traitement revient à la capacité standard. Une fois le désordre éliminé, le système n'affiche plus de quelques milliers de messages non lus. Navigation doit être plus facile. Et les vieux journaux sécurisés. N'affiche plus de milliers de messages. Navigation plus facile. Ok. Retourner dans le menu général. Ok. Ah voilà, maintenant les bots sont. Voilà, déjà on a fixé ça, c'est bien. Here to serve. Welcome back, Team November. Bon bah ça va, ça se passe bien là notre équipe. Voir un peu les animaux qu'on a. Chat, cochon, chien, major tomcat, lapin, ok, très bon. Très très bon. Alors, du coup, nous on a fait quoi? On a fini LED. Donc on retourne au bizarre. Ouais. Ouais, on retourne au bizarre. Good luck out there. On va s'amuser. On doit parler à un mec qui s'appelle quoi, Flacon, Flasque, Flo. Oh mon dieu. Mon dieu. Si jamais on peut se mettre du côté des méchants là, les trois fils. Enfin, les trois enfants là, il y a la fille. Honnêtement, on se mettra du côté de la fille elle est super classe. Et en plus, elle a des robots géants. Avec elle. Ah oui, on aurait pu en amener. Ferme ta bouche. On aurait pu amener notre cow-boy pour acheter les nouvelles armes et tout. Ah, on aurait pu faire ça. Ok. On a des mecs à tuer. Faire du bizarre. Parce qu'en fait, je sais plus si les gens ils vont prendre les autres NPC. Je sais pas s'ils prennent de l'expérience si on les prend pas en fait. J'ai un peu peur qu'on les laisse de côté et du coup ils puissent plus augmenter. Oh wow, are you Rangers? I haven't seen any of you guys since I left. I mean, in a while. Yeah, I haven't seen any Rangers in a while. Nice. Are you here to fight the monsters under the bazaar? That would be awesome. I'm Quarex, by the way. This is my cool museum of coolness. Would you like a tour? Ouais. Really? Okay. This way. Okay, I'll start. Welcome to Quarex's Cabinet of Curiosities, a collection of the rarest of the
Well, it's toys and games mostly, and some mementos, but they're all really cool, I promise. Made it past Telluride today. Salut, vous fonctionnez, donnez un coup de pied au robot. Salut, vous fonctionnez? Partir. This was the best video game ever, Wasteland 4. You can choose what color you want the screen to be, red or green. Wow, cool. This is the most sought after gaming accessory ever made, the legendary Mighty Mitt. I love c'est le Power Glove. Mighty Mitt. It's so bad. This is a argent avec ce son d'archerie. Appuyez sur le bouton. Il va représenter un grincement strident. Le petit papier avec une écriture irrégulière sort d'une fente. This is a Tarjan the Tenebrous machine. It can tell your fortune, but you get a premium. C'est quoi ça? Bartel 4 parodie. Ok. Jouez au jeu. Mais figurez-vous pas l'ennemi. Vous avez tué. Vous avez été tué par 99 berserkers. Ok, cool. I also don't know who made that rule. Honnêtement, ça me gaffe ton tour. This is a slicer dicer, the scariest robot ever. It slices, it dices, it even makes julienne fries. Whatever those are, if this thing was working, we'd all be dead by now. Uh-huh. These are the most classic of classic arcade games. Avenue Brawlers, Catboy, and Star Intruder. This is a surfboard. I don't know what surf is, and what boards have to do with it, but this looks well loved. It has property of MF on it. I hope that doesn't mean what I think it does. Genre motherfucker. And that's it. Let me know if you have any questions. Hi Rangers, good to see you again. Discutons. Sure. Vous appelez Quarex, ne vivez pas avec les Topkan en Arizona. You must be thinking about someone else. Quarex is a more common name than you might think, you know. Ah, bien sûr. Anyway, not me. Nope. Perception, vous transpirez beaucoup. Oh, well, haven't you heard? Scientists say sweating is a sign of truthfulness. Okay, fine. I'm Quarex. Nomad du rail, ça je me rappelle du 2. Dans le 2, non? Kind of cool you guys have heard of me. Nobody knows about me. Well, basically, everything went downhill after Ranger Team Echo found that 3DO for me. Some shady guys started coming around asking me to sell it to them, and when I said no, well, they didn't like that at all. I was going to call the Rangers since you'd all been so nice to me, but then Ranger Citadel blew up, so I left. Had to leave all my cool stuff behind, even the 3DO. But there's lots of cool stuff around here too, and I've been finding it. And that's how I started my museum. Pourquoi ne pas avoir changé de nom? Oh, I did. I just always forgot to say it. Ah. I'm supposed to say my name's Dave, but yeah. It's great. There's so much cool stuff at all the merchant stalls. I add to my collection all the time. Some Spy Rangers, thanks for visiting me. Ouais. Je m'a un peu fatigué. These old things, I got them for a steal at Tablet's Tannery. C'est quoi ça? I got friends at Broadmoor. Now who are these beauties in my theater? Come. Uh-huh. Hey there, Eidolon. You look better every time I see you. Ah, Marshal Kwan. As charming as ever. And you brought your most beautiful friends to Eidolon's Chick Flicks Theater, I see. Aren't you all a sight for sore eyes? Ouais, j'aime bien ta voix. Et vous passez des films ici, vous êtes et il dit long. That's me, theater manager and connoisseur of smut, and all yours for the having, sweetheart. Danse à l'horizontale.
Ah, sugar plums. Of all the gin joints in all the towns in all the world, I'm so happy you walked into mine. You look like strapping, helpful hunks. Wouldn't you love to help out our little Adelon? Wow. Que peut-on faire pour vous? Oh, my heroes. So here's the rub. The Chicks Flicks theater shows only the finest, most exclusive performances. But we are running low on material. I'd ask if you were volunteering to be my next star, but we all know I couldn't afford your gorgeous asses. I suppose the next best thing would be getting me some fresh material. On peut en trouver de quoi créer. Seront payés? In any currency you want, baby. Wow. Monetary and otherwise. Trust me. I know where to find some old movie reels. Est-ce qu'on a We've pas got good tech in here? So between some creative editing and a little bit of improvisation, I can produce our next masterpiece. Ouais, on peut trouver les bandes. So it's easy as a slice of apple pie. Je vous parle de l'armée des monstres. The Monster Army used to live in a pre-war luxury bunker. Apparently, their monster outfits were inspired by the movie. The bunker has been abandoned for years and years, so it should be simple. Mais on l'a trouvé, ça, non? I know any resistance you meet won't be a problem for such beautiful and powerful people. Good luck out there, sweeties. Anytime, gorgeous. Mm-hmm. Come back again. Ah non, c'est peut-être où on s'est arrêté en fait. Bunker de l'armée des monstres abandonné depuis des années. Je pense qu'on se retrouvait des vieilles bobines. C'est peut-être où on s'est arrêté en fait. What's going on here? You're all under arrest. Don't make me pull out. There's a new sheriff of Sexyville in town, ladies. On a coupé sa conversation juste avant qu'ils disent des saloperies. On va aller parler au mec. Puis après on retournera. Retournera au fin fond là. Ça vous dérange qu'ils ont fait ça ou pas? Oh mon dieu, il se prend pour Dracula. Okay. Do not judge harshly, my friends. We hold on to our rituals of the past. Try to remember our long lost strength. Oh mon dieu. Comment ça, pas le meilleur moment? Je suis surpris, nous avons été attaqués, mes amis. Horrible créature non identifiée, erre dans les terriers, sous nos pieds. Le livre des expressions, c'est mon instruction aussi. Purger les terriers des paillasos. Marchandage. Nous avons Merde. Spoken like a true citizen. The bizarre esteemed guests. Have you found out what is haunting our warrens? Merde. The bizarre will be waiting. Oh, il nous faut le marchandage. Il nous faut le marchandage, parce que je veux de l'argent en plus, moi. I hear they call him Flab the Inhaler. Can you believe that? Oups, pardon. Il nous faut le marchandage. On a la cinéma vérité, ok. Oh la vache. Guns sanctified with blood,
blood sanctified by guns. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne prendre notre petite cowboy. Ah, je sais, c'est chiant, mais autant augmenter parce que c'est 666$. Honnêtement, je serais pas étonné qu'on monte à du 1000 ou un truc comme ça. On va enlever le shérif. Enfin, le shérif, le. L'autre là. Marshall, voilà, Marshall. On va enlever le Marshall. Comme ça, on aura crochetage et l'argent. Ah, c'est un peu chiant, hein, mais bon. Comme j'ai dit, on peut pas tout avoir sur un seul groupe. Hein. Sinon, il faudrait qu'il soit extrêmement haut au niveau. Puis on n'est pas trop loin, ça va. Après j'ai épuisé en fait ces conversions pour voir si on pouvait dire ouais on voit plus tard et après on pourra genre remarchander. Mais il n'y avait plus l'option donc je pense que on peut marchander que la première fois où on lui parle. Pas après. Là ce qu'on va perdre c'est le lèche-cul en fait de haut niveau. C'est juste ça. Après, bon, les chargements et tout, c'est rapide, donc c'est pas très grave. Ça prend quoi, 3 minutes maximum, en fait, faire aller-retour. C'est pas... Il y a pire, quoi. Alors, elle était dans la cantine. Bon, après, on pourrait parler avec lui, mais... Est-ce qu'on vire des équipements qu'il a ou pas? Ah oui, l'arbalète. Non, mais ça va rester brouillé. Lucia. Hello again, Rangers. There is still injustice in the world, isn't there? Let's go. Let's go. Marchandage. Ah, mais elle a pris un niveau. Je crois. Je crois qu'elle a pris un niveau en fait. Ouais, en fait, quand on les reprend, ils prennent un niveau. Quand on les reprend, ils prennent un niveau, ça c'est bien ça. Je suis en train de réfléchir si on met marchandage maintenant ou pas. Désolé. Non. Ah. Let's go, let's go. C'est reparti. Je suis sûr qu'on va se prendre une embuscade par contre. Ouais, mais c'est chiant avec le vieux là qui accroche aux tasses de base. Ça, c'est ça, je suis un peu déçu honnêtement. Parce que ah, c'est pas trop grave, j'ai envie de dire, ouais, enfin on est. On va dire qu'on va être en retard sur quelques trucs. Genre par exemple si on lui avait pas mis crochetage à la snipeuse là, elle, Jody, on aurait pu lui mettre autre chose d'intéressant qu'on n'a pas. Mais après dans un sens j'ai envie de dire ce qui nous manque maintenant c'est les modifications d'armes. Donc bon on a Zeus. Enfin il y a elle aussi, Jody. Lucia pardon. Parce qu'un nom d'arme elle a 4, lui il a quoi? Pareil. Non, lui il est beaucoup plus élevé. Mécanique, truc d'Angtello. Ouais, il nous manque. Je crois que le seul truc qui nous manque vraiment, bah c'est bon l'explosif, mais ça c'est Thunder, petit à petit ça va arriver. C'est la science étrange. La science étrange on a 0. C'est vraiment que ça en fait qui nous manque.
Ennemis repérés. Survie, prendre par surprise, les éviter. Prendre par surprise. Ah, c'est des dorsets, ça va. Ça devrait bien se passer. Enfin, j'espère. Une rencontre hostile. On n'a pas le camion avec nous ? Si, on a le camion. Ils sont un peu chauds quand même. Ah, ils ont des bestioles quoi. Ouais, non, ça va, on peut se les faire honnêtement. Attendre que lui arrive. C'est des snipers là les deux je crois. Voilà, très bien. Si c'est des snipers, ils vont peut-être pas venir, ça va être un problème. D'accord. Pas mal. On a soigné Fury. Thank you for the medical attention. De rien. 27. On pourrait les écraser tous. Je voudrais, voilà. Du coup, oui, ça serait plus facile. Alors du coup... Je pourrais prendre celui-là. Parce que je voulais prendre les autres, mais au final... Bah, il reste plus que des animaux. Ah non, si, il y a lui. Il a quoi, lui? Oh, merde. Putain de lance-roquette.
Ouh, j'ai fermé, j'ai coupé le micro bien avant. J'ai éternué, désolé. Alors. Come on, guys. Let's get it in gear. Ok, c'est pas mal. Faut absolument qu'il tire pas en fait. Ok, c'est pas mal. Attends, si je fais ça. 65. Si on la bouge un peu. On va voir un peu les pourcentages. 55. Bon, c'est mort. On va se prendre une roquette sur la gueule, c'est bien. Il a 5 HP. Il va tirer là, les deux vont se prendre des dégâts, ça va être super. Ouh, 60. Voilà, on va se prendre une belle roquette. Ah, quoique. Ah, en fait, non. Les deux. Très bien. On va le tuer le truc. Oh merde, j'ai plus de PA. Putain, on va pas le tuer quoi, c'est ouf. Je devrais même pas gaspiller des munitions en fait. Et attendre le prochain tour pour le tuer avec le véhicule. Très bien. Ah, ça gaspillerait moins de munitions de faire ça. On a eu un roquette niveau 7. Avec une roquette. Enfin, lance-roquette niveau 7.
C'est pas mal. Tabac, c'est potable. Toujours en train de me demander hein, si ça vaut le coup de lui mettre un lance-roquette à elle. Après, lance-flamme, c'est bien aussi. Ouais. Avec le lance-roquette, tire en l'air, les roquettes retombent, bombarde la zone de dessous, en dessous, infligeant 100% de dégâts à tour suivant. Frappe une fois par une roquette, les grenades subissent automatiquement un coup critique. Zone d'effet des grenades et des autres capacités. Ouais, elle, ce qu'on va faire, c'est que Thunder, ça va être arme lourde avec lance-roquette aussi. Lui, par contre, Zeus, ça va être... on lui mettra, genre, un fusil d'assaut... Enfin, une arme lourde, balle normale. Et on lui mettra aussi le nouveau truc laser, là, qu'on a récupéré. Enfin, qu'on a vu au magasin. C'est... Honnêtement, ça va être cool. Comme ça, il sera... Parce qu'il est contre les robots et tout ça, il fait plus de dégâts. Donc avec ça, il devrait faire des dégâts de fou, quoi. Si jamais on combat du robot. Il a ça et tout là. C'était cool. Dégâts bonus contre les véhicules, les robots. Ouais non, ça va faire mal. Hein. Ça va faire mal. Faut vraiment qu'elle ait marchandises au niveau 10, l'autre là. Et je serais très content, honnêtement. Elle est au niveau 9. Est-ce qu'on a un livre? Parce que je sais qu'aussi on a des livres. Donc on a mécanique, crochetage, arme auto, bagarre, premier soin, lèche-cul. On a mécanique. Ça peut être pas mal pour lui. On monte ça à 9 et après on met le 12. On met à 9 et on met le 10 déjà. J'ai vu coup d'amélioration 12 pour ça. Et ça donne mécanique... Bah, y a rien en fait au niveau 10. Ah oui, non, mécanique, ça servirait peut-être à rien. En fait, il faut tout le temps, il faut le niveau 10 à tout prix si jamais il y a un skill. Sinon, s'il n'y a pas de skill, ça sert à rien. Comme j'ai dit, hein, du coup, de ne pas avoir celui-là, là, ça sert à rien en fait. Parce que je ne l'utilise pas, je vais pas le faire, donc j'ai pas besoin. Non, ok, bon, ça va, je vois ce que je vais faire. Talk to our boss if you're here to help. I'll tell you when to quit. Get your protective gear here. Parti. Alors on va zapper un peu. Okay. Pourquoi vous déguisez en Dracula? Pas le meilleur moment. Okay. Les horaires non identifiés impliquent des primes de risque, une prime de risque payée d'avance. 236 dollars. Ça va, c'est pas énormissime non plus. Ils ont trouvé plusieurs corps dans le terrier. Pas qu'à soir, trouver disparu en vie. Vous apportez de tristes nouvelles, mais merci, nous avons prévenu, nous informons leur famille. Ok, dans les terriers, nous avons vu une bande de voleurs déguisés en clowns. C'est impossible, ils n'iraient pas si loin, ils ne peuvent pas. Vous connaissez ces clowns? Les deux font partie des gangs sauvages qui ont échappé au contrôle des patriarches. Nous verrons en sécurité que lorsque le dernier patriarche sera mort, ok. Nous aimerons vous parler d'un certain Randy Gett.
Mécanicien, oui, c'est un génie, si jeune. Hein. Pourquoi pas ou notre jeune savant? Grandi a peut-être trouvé un emploi ailleurs. Sommes entre amis, ne craignez pas d'être honnête. Très au nouveau bizarre doit prendre rendez-vous avec moi. Une chance parce que le jeune est stupide, mais même ma patience a ses limites. Pas une question très délicate, mais que pensez-vous de votre surnom? J'apprécie votre délicatesse. Non, ça se décrit plutôt bien, n'est-ce pas? Probablement. Non, mais démontre réputation plus sain. Ouais, on va être honnête avec lui, il aime bien l'honnêteté. De toute façon, l'honnêteté paye toujours. C'est marrant de savoir comment vous êtes arrivé au tête bizarre. J'accélère un peu pour aller vite, hein, parce que là... vous savez, trop stupide pour comprendre que c'était ça, le nouvel ordre mondial. Dans sa bonté infinie, il m'a offert la direction du bizarre et de toutes ses vies. D'accord. Nous reviendrons. Ok. Donc tu veux vraiment que je tue tout le monde en bas, en fait, en dessous, quoi. Bon, C'était pas... Ok, ça marche. You ever hear of Cyclops? Old boss of the bazaar. C'était pas énormissime non plus la prime, hein, c'est $230, mais voilà, si on peut avoir ça en plus, pourquoi pas. Mais voilà, ça qui est bien, c'est que c'est pas énormément, enfin après ça dépend quand même, il y a quand même des trucs qui peuvent être vachement bien. Mais bon, voilà. Ok. Ah, y a toi. Fields full of lilies. Je vais venir sur les terriers, que je vais pas ici. Ouais. Donc là, du coup, on est de retour ici, ça marche. Est-ce que la radio, y a autre chose? Hey, what can I do you for? Que vous fabriquez là? Used to have my booth up above, but ouais, non, mais on le connaît, ça. Ciao, ciao, ciao. Après, là, y a le mec qui nous avait dit d'aller voir son patron. Head right through. Good luck. Ok, ça marche. Donc voilà, maintenant... La chapelle, c'est la chapelle. Et on doit se taper tout cela de la chapelle. Et après on aura notre récompense avec le mec. C'est pour ça qu'il nous donne quand même $666, quoi. C'est pas rien. Donc j'imagine que, ouais, ça va être compliqué, hein. Après, on pourrait aller acheter des armures et tout ça, enfin des armes surtout. Je suis en train de me dire, mais honnêtement, si on achète des armes, je voudrais bien que le marchandage soit au max. Comme ça, on a un 10% de réduction. Comme ça, on économise en fait au maximum, c'est ça le truc. Mais je vais sauvegarder, mais je suis quasiment sûr qu'on peut se les faire. Ça va être peut-être compliqué, mais ça devrait aller.